Imagine-toi que tu habites avec toute ta famille, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes et leur propre famille à eux aussi. Hey, est-ce que tu trouves que ça commence à faire du monde, ça, dans une maison? C'est pourtant ainsi que vivent les Iroquoiens. Ils habitent dans une maison longue avec la famille de leur mère. Il peut y avoir entre 25 et 60 personnes dans une seule maison. Maintenant, la question que tu te poses probablement, c'est comment est-ce qu'ils font pour vivre tous ensemble? D'abord, c'est vrai que le nom le dit bien, hein? La maison est longue. Elle peut s'agrandir facilement car elle est faite de bois et d'écorce. Elle compte deux portes, donc une à chaque bout, à chaque extrémité, mais malheureusement pas de fenêtre. À l'intérieur, chaque famille a un espace bien à elle. Comme les Iroquois sont sédentaires, ils bâtissent des maisons solides qui durent vraiment longtemps. Contrairement aux Algonquins, qui eux qui sont nomades, les Iroquois ne déplacent pas leurs maisons. Lorsqu'ils construisent une maison longue à un endroit, c'est bien pour y rester. OK, maintenant, voici comment la maison est divisée. En fait, au centre, dans le sens de la longueur, il y a une allée centrale où se trouvent les foyers qui servent à cuire la nourriture et aussi à se réchauffer. Au-dessus de chaque foyer, il y a un trou d'aération au plafond pour en fait laisser sortir la fumée, bien sûr. De chaque côté de l'allée, un aménagement qui ressemble à des lits superposés. En bas, les lits et en haut, des banquettes qui servent d'espace de rangement. Des enfants peuvent aussi s'endormir en haut. Des murs d'écorce séparent l'espace entre chaque famille et deux familles se partagent un foyer.